Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo sur les abeilles et les produits de la ruche pour vous montrer à quel point en fait tous ces produits sont exceptionnels. Il faut savoir justement que l'abeille est en déclin, elle est en danger et pourtant elle représente un acteur essentiel et durable de notre environnement. Elle nous alerte justement sur l'état de santé du milieu naturel dans lequel on vit. En effet, le déclin des abeilles traduit vraiment un danger. Pourquoi? Parce que les abeilles disparaissent à cause d'agents biologiques tels que les maladies, les parasites, les prédateurs comme le frelon asiatique, mais aussi les agents chimiques. On utilise énormément de pesticides et les abeilles en subissent les conséquences. L'environnement change justement au niveau climatique et il y a également plein d'autres causes. Cependant, il faut savoir que l'abeille est essentielle puisqu'elle permet la reproduction des plantes. 80% des plantes à fleurs sont pollinisées par les insectes. 85% de celles-ci le sont par les abeilles, dont 90% d'arbres fruitiers. Les abeilles sont vraiment essentielles pour l'environnement, pour notre survie également, pour que l'on puisse justement faire en sorte que la nature continue à travailler comme elle se doit. Il est vraiment essentiel de prendre soin des abeilles, mais aussi, vous allez voir qu'elles ont un rôle essentiel et qu'elles peuvent nous apporter beaucoup de bienfaits. Alors avant d'essayer de comprendre tous les bienfaits que les abeilles peuvent nous apporter, on va essayer déjà de s'intéresser à elles, à la naissance, à la vie dans la ruche et à tous les produits qu'elles produisent et comment elles les produisent. Donc il faut savoir que c'est la reine qui pond les œufs dans les alvéoles de la ruche et les ouvrières en prennent soin jusqu'à leur naissance. Donc il faut 21 jours pour qu'une abeille puisse naître. Donc elle passe d'un état d'œuf à larve, à nymphe et ensuite abeille adulte. Dans la ruche, il y a plusieurs types d'abeilles qui vont avoir des tâches différentes en fonction de leur âge. Il y a tout d'abord les ménagères qui effectuent le nettoyage dans les cellules de la ruche, les nourrices âgées de 3 à 5 jours qui sont capables de produire de la nourriture et doivent prendre soin du couvain. Le couvain, c'est ce qui se situe au cœur de la ruche. Il regroupe les œufs, les larves et nymphes qui deviendront ensuite des ouvrières. On a les abeilles architectes qui construisent méticuleusement les rayons de la ruche et qui ont, elles, de 6 à 12 jours. On a ensuite les manutentionnaires qui sont chargés de stocker le pollen et le nectar apporté à la ruche par les butineuses. On a les abeilles ventileuses âgées de 17 à 19 jours qui ont pour mission de réguler la température intérieure de la ruche en la ventilant. Elles sont également gardiennes de la ruche. On a ensuite les abeilles butineuses qui sont âgées de 20 à 35 jours et celles-ci parcourent la campagne autour de la ruche pour récolter le nectar, le pollen et l'eau indispensables à la survie de la ruche. On a ensuite la principale qui est la reine. La reine se distingue parce qu'elle a une taille un peu plus grande que celle des abeilles. Sa seule mission à elle est de pondre et d'assurer le renouvellement de la colonie. Une reine peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour qui deviendront soit des ouvrières et soit des faux bourdons. Les faux bourdons, quant à eux, ils sont très peu nombreux dans la ruche. Ils naissent uniquement au printemps. Et leur rôle unique est de féconder la reine afin de donner naissance à une multitude d'autres abeilles. En revanche, ils ne savent pas butiner, ils se nourrissent donc grâce aux réserves de la ruche. Et à l'automne, quand les réserves se font rares, les faux bourdons sont chassés de la ruche. Alors que mangent les abeilles? Les abeilles est un insecte végétarien. Elles se promènent de fleur en fleur pour butiner le nectar et récolter le pollen indispensable à sa nourriture. Le nectar, qu'est-ce que c'est? C'est un liquide très sucré qui est présent dans les fleurs et c'est une importante source d'énergie pour les abeilles. L'abeille butine le nectar grâce à sa trompe, puis elle le ramène à la ruche pour le transformer en miel. Le pollen, c'est ces petits grains jaunes très fins produits par les plantes. Le pollen contient les cellules mâles des plantes. Il est la base de nourriture des jeunes larves d'abeilles et l'abeille le récolte grâce aux peignes et brosses situées sur ses pattes. Elle le stocke dans les corbeilles à pollen pour les emmener jusqu'à la ruche. Il y a également la gelée royale, mais cette nourriture est réservée aux larves de moins de 3 jours et à la reine qui nourrit toute sa vie à la gelée royale parce qu'elle est particulièrement riche et nourrissante. Alors on en vient maintenant au processus de fabrication du miel. Comment les abeilles font-elles le miel? Elles récoltent tout simplement le nectar des fleurs comme je vous l'ai expliqué. Elles stockent ce nectar dans son jabot pendant le transport, le malaxe et ensuite l'échange d'abeille en abeille. C'est ainsi tout simplement que le nectar devient miel. Le miel, lui, est ensuite stocké au fond des cellules pour servir de nourriture aux abeilles pendant la saison froide.
et les alvéoles sont ensuite obturées avec un bouchon de cire et le miel va ainsi se conserver. Alors il faut savoir qu'en printemps-été, la colonie est en pleine croissance et a grand besoin en nourriture. Donc c'est en été qu'elle produise le plus de miel et que l'apiculteur va le récolter. Alors que savoir sur le miel ? Le miel peut avoir des goûts différents, cela dépend des espèces de fleurs butinées par les abeilles. Elles peuvent butiner le nectar d'une seule espèce de fleur, si les ruches sont situées au milieu d'un champ de lavande par exemple. Les plus connus sont le miel d'acacia, le miel de lavande, le miel de châtaignier. Mais le miel peut aussi provenir d'un mélange entre différentes espèces de fleurs et on l'appelle alors le miel de toutes fleurs. En plus d'être naturel, le miel est riche en vitamines. Et depuis l'Antiquité, l'homme utilise le miel pour soigner les différents maux. Le miel est un adoucissant, un antiseptique, un cicatrisant. Il est également utilisé dans les produits de beauté et il est également utilisé en médecine, le miel de thym, pour cicatriser les plaies. Parlons maintenant de la propolis. Au sens étymologique, la propolis vient du grec pro qui signifie en avant et polis qui signifie cité, donc qui est relatif à la défense de la ville. Donc la propolis, au sens figuré, signifie tout ce qui va protéger la ruche et qui va être en avant pour empêcher toutes les bactéries de rentrer. C'est dans ce sens-là que la propolis est l'un des plus puissants antibiotiques naturels. Elle est considérée comme l'indispensable bouclier de la ruche. La propolis est composée d'un mélange de substances résineuses et balsamiques variables que les abeilles récoltent sur les bourgeons de plusieurs arbres comme le cerisier, le peuplier, le bouleau, le sapin, l'épinette et l'aulne. Dans la ruche, la propolis est utilisée comme vernis pour assainir l'habitat et pour réparer les parois endommagées, mais elle protège également la colonie contre l'humidité et permet d'empêcher le développement des moisissures et d'agents pathogènes. Elle possède de nombreuses propriétés bactéricides, fongicides et antiseptiques qui font d'elle un précieux désinfectant et un bouclier naturel. La propolis s'utilise en usage interne et externe, et ses propriétés sont nombreuses. Elle renforce le système immunitaire, elle tue les bactéries et virus, elle permet de traiter le rhume et la grippe, elle protège les voies respiratoires, elle désinfecte la bouche, elle permet de traiter les troubles gastro-intestinaux, elle guérit les brûlures et elle restaure les tissus endommagés et les cicatrices. Parlons maintenant de la gelée royale qui est traditionnellement reconnue pour ses apports en vitamines, oligo-éléments, minéraux, acides aminés et acides gras essentiels qui contribuent au bon fonctionnement de l'organisme. Dans la ruche, la gelée royale est utilisée pour nourrir la reine et les abeilles qui produisent la gelée royale ont une durée de vie de 5 à 6 semaines en comparaison avec la reine qui, elle, nourrie avec cet aliment miracle, a une durée de vie de 3 à 5 ans. Les bienfaits de la gelée royale permettent de renforcer le système immunitaire, d'avoir une action bénéfique sur le système nerveux, d'avoir un regain d'énergie et de vitalité, de lutter contre la fatigue et l'état d'épuisement. Elle améliore également les performances physiques et intellectuelles. Elle aide à la diminution du mauvais cholestérol. Elle permet de lutter contre les affections saisonnières comme le rhume et la grippe et permet le ralentissement des effets du vieillissement de la peau, des cheveux et des ongles. Grâce à sa richesse nutritionnelle, la gelée royale pure bio est indiquée pour tout le monde et à tout âge, hommes, femmes et enfants. Ce produit est également consommé pour compenser les carences causées par une alimentation déficitaire. Alors je vais vous parler maintenant d'un produit que je ne connaissais pas et que j'ai pu connaître grâce à un partenariat avec l'Abeille Heureuse. Il s'agit du pain d'abeille. Alors qu'est-ce que le pain d'abeille ? Le pain d'abeille est un mélange de pelotes de pollen, de miel et de ferments lactiques qui sert de nourriture aux bases des abeilles. Le pain d'abeille est bien plus que le pollen et le miel réunis. En rentrant chez elle chargée de butin, l'ouvrière va fabriquer un alicament encore plus protéique et plus digeste que le miel et le pollen réunis. Elle va tout d'abord étaler une couche de pollen dans le fond d'une des nombreuses alvéoles de la ruche, la tasser à l'aide de sa tête, puis la recouvrir de miel, en renouvelant l'opération jusqu'à ce que l'alvéole soit complètement garnie. Contrairement aux hôtes, les alvéoles contiennent ce mélange, ne sont pas recouvertes de cire, mais simplement d'une fine couche de miel. Ceci va permettre d'entraîner un processus biochimique absolument remarquable qui se déroule en trois étapes, puisque l'on va avoir différents types de bactéries qui vont se développer,
comme l'acide lactique, les bactéries qui sont bonnes justement pour l'intestin, comme les probiotiques, et l'on va avoir de nombreux bienfaits au niveau de ce pain d'abeille. Ce pain d'abeille va aider donc à détoxifier le foie, il protège le foie et le tube digestif, il détoxifie le corps, il réduit le cholestérol sanguin, il prévient et traite l'anémie et il renforce le système immunitaire. On va parler maintenant du pollen, c'est l'un des produits les plus nutritifs émanant de la ruche. Connu pour ses nombreuses vertus en apithérapie, mais également dans la médecine traditionnelle et les médecines douces, il possède des nutriments et des propriétés que l'on ne retrouve dans nul autre aliment. Les scientifiques du monde entier considèrent que le pollen cru est comme l'une des formes de nourriture les plus pures et les plus riches. Depuis l'Antiquité, le pollen cru fait partie intégrante des médecines naturelles prodiguées par les Égyptiens et les Chinois, et aujourd'hui, les vertus thérapeutiques du pollen cru sont bien connues. Et chaque type de pollen possède ses caractéristiques et ses bienfaits. En outre, contrairement aux pollens transportés par le vent, les pollens entomophiles, donc ceux qui sont utilisés par les abeilles pour assurer la fécondation des plantes, ne provoquent pas d'allergie. Il a même été observé qu'une cure de pollen cru à raison d'au moins 3 cuillères à café par jour est à même de diminuer les phénomènes et les réactions allergiques. À savoir, si vous avez du mal à manger le pollen cru, vous pouvez très bien le mélanger à votre yaourt ou dans une salade de fruits. Le pollen se conserve au congélateur entre moins 15 et moins 18 degrés. Étant donné que sa teneur en eau est faible, il ne gèle pas et peut donc être retiré du congélateur plusieurs fois sans perdre ses propriétés. En dehors du congélateur, il résiste durant 7 à 8 jours dans son emballage original, scellé, et de 3 à 4 jours une fois ouvert. Alors cependant, faites attention aux miels qui sont vendus, puisque vous pouvez avoir du vrai miel et du faux miel. Le faux miel, c'est celui qui est fabriqué en usine, qui ne contient pas de pollen, qui contient du sirop, du sucre, il contient de l'eau. Comment reconnaître un miel pur contre un miel frelaté, c'est-à-dire un miel qui n'est pas pur? Ben, tout simplement, le miel pur va déjà avoir un arôme de miel. Il provoque une légère sensation de brûlure dans la gorge. Il ne se sépare pas en couches lorsque vous essayez de le faire couler, mais justement, il est assez épais et il le coule en filet. Enfin, le vrai miel n'a pas de mousse. Alors pour faire simple, il faut savoir que tous les miels sont liquides, mais au fil du temps, ils ont tendance à se solidifier ou à se cristalliser. Si vous achetez un pot de miel qui est déjà cristallisé, cela veut dire que le miel est pur. Cependant, si vous achetez un pot de miel liquide, vous pouvez attendre quelques jours pour voir s'il se solidifie. Ou vous pouvez le mettre au réfrigérateur pour accélérer le processus. Si le miel ne durcit pas, il y a de fortes chances que le miel soit frelaté. Donc pour avoir un miel de bonne qualité, je vous conseille déjà de prendre un miel bio, si possible local, de vous renseigner sur le producteur et de voir justement si les abeilles ont pu récolter donc le nectar et le pollen dans des lieux qui soient sains et purs, enfin des lieux de la nature, qui ne soient pas pollués par la ville ou alors pas pollués par les pesticides. Donc je vous présente ici les produits du site de l'abeille heureuse, puisque ce sont des produits naturels, bio, résultant d'actions visant à protéger la nature dans le respect des abeilles et de leur travail. Donc là, je vous présente du pain d'abeille justement. Donc ce sont des petites billes un petit peu dures que vous pouvez mâcher ou prendre tout simplement le matin une petite cuillère. Ensuite, voici le pollen. Alors le pollen, ça donne vraiment envie quand on le voit, mais c'est vrai que ça a un goût quand même assez pâteux, c'est assez particulier. Donc je pense que c'est mieux de le mélanger justement en salade et avec un yaourt, comme je vous le disais. Le fameux miel de Manuka qui vient de Nouvelle-Zélande et qui a des vertus exceptionnelles. Sachant que l'indice veut dire quelque chose, n'hésitez pas à regarder ma vidéo à ce sujet. Et là, l'extrait de Popolis, justement, que je vais diluer dans l'eau, puisqu'en fait c'est de la teinture mère, pour le prendre ou dans une tisane. Après, il existe aussi les gommes de propolis. Enfin, moi j'aime bien, c'est un petit goût particulier. Et là, j'ai reçu en cadeau justement le miel aux mille fleurs. Et franchement, il est super bon. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop le miel justement. Mais alors là, je le trouve vraiment très bon. Je vois vraiment la différence avec le miel que j'ai acheté d'habitude. Donc, j'en suis vraiment très contente. Voilà, cette petite vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura été utile. Et comme je vous le répète sans cesse, la nature fait si bien les choses. Respectons-la.